cette année, je fais la même chose, mais avec... avec Nescafé et Gold. Deux chambres, deux nuits dans un hôtel 4 étoiles à New York. Il y en a deux qui dorment, qui s'habillent avec moi, c'est mes colocs. Je vais aller là, je vais aller les réveiller. Sunshine and stars, il est 5h du matin. Yes. Psst. Réveille-toi, il est déjà réveillé. Voilà. Ça va? Ah, ça va. Prêt pour le grand rêve? Ouais, non, je fais juste une petite vidéo. Ouais. Ok, Louis est là. Ça va? Ça va? Ouais. Une opération difficile. Oui, oui. Je l'avais dit, man. Hey, vous souvenez, l'année dernière, le brunch que j'avais fait chez ma mère, j'avais fait un méga repas, mais il y avait un peu plus de trucs que là. Mais j'avais fait un truc avec Nescafé. D'où la présence du Nescafé aujourd'hui sur la table. Et ce n'est pas tout. Regardez, on a aussi du Nescafé foncé, espresso et le triple pack cappuccino. Donc si vous en voulez, cappuccino, ça c'est des sachets, vanille latte et mon préféré, le mocha, parce qu'il y a un peu de chocolat chaud dedans. La raison pour laquelle il y a à peu près 1 million de trucs Nescafé, c'est parce que cette année ils m'ont envoyé encore des échantillons de leur nouveau café, qui c'est pour faire une vidéo, et cette vidéo on l'a fait en ce moment. C'est pour ça que je filme. Je pense qu'il y a des caméras partout. Au lieu de partir dans le nord comme on l'avait prévu, j'ai pris la liberté de réserver un hôtel 4 étoiles pour 2 nuits à New York. On part live up, on débarrasse et on prend la voiture à lui. Ça veut dire que je vais conduire 6 heures? Ouais. Let's go. Première halte routière aux States pour faire le plein, parce que l'essence est 1 milliard de fois moins chère ici. Olivier qui met l'essence, ainsi que 3 superviseurs qui vérifient qu'il met bien l'essence. Oh, t'assures que dilemme, c'est qu'on a 4 lits doubles, ce qui est cool dans 2 chambres, sauf qu'on est 5. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui vont devoir dormir ensemble, et on est sur le point d'utiliser un système très complexe développé par notre ami Renaud, qui va nous expliquer à l'instant qu'est-ce que c'est. On va lancer un dé. Olivier commence. Qu'est-ce que je fais? Je lance 2. Olivier a eu 2. Oh, c'est bon, vas-y. Oh! Kevin. Ouais, c'est... Oh, Kevin! Ma mère! Deux. Oh. Oh. Il faut faire plus que 2, Renaud. Oui, monsieur. Bon, c'est la sortie de la fin de semaine. On va dans une fête pour Pâques. Une fête pour Pâques. Ouais, et on se revoit demain. Bonne soirée. Yeah. À demain. On est
le lendemain matin, j'ai demandé à Kevin, qui dormait avec moi dans ma chambre, d'aller chercher un petit truc pour ceux qui sont en rouge. Je pense qu'ils dorment encore. Moi, pendant ce temps-là, je leur prépare une petite surprise pour les réveiller. Kevin a rempli sa partie du contrat, il est allé chercher ce qu'il fallait. On fait la surprise aux autres, on monte. Je sais plus trop qu'est-ce qu'ils aiment, donc j'ai mis trois choix, vanille, mocha, savoir la meilleure chose sur cette planète Terre entière, du café, du chocolat chaud, mélangé ensemble, et le medium roast qui est un café arabica, c'est un peu le classique des Nescafé Gourou. De toute façon, ils en passent plein parce que je leur apporte du café directement dans leur chambre d'hôtel. God damn it! Room service! Wake up! Hey guys! C'est la première fois de lui à Central Park. Et on profite pour prendre des photos totalement naturelles. Totalement en contrôle de son corps. Oh la jambe croisée, attention. La jambe croisée. Et de l'autre côté maintenant, sans le bonnet, toutes les possibilités sont bonnes. Ce que j'aime, c'est que depuis qu'il prend des photos, il n'y a plus personne sur le pont. On est à l'endroit dans le monde où il y a le plus de personnes au centimètre carré. Times Square. Petite balade sur le waterfront près de la Hudson Bay River. On est maintenant sur le High Line qui longe un peu le bord de l'eau et qui rentre petit à petit dans la ville avec un super coucher de soleil. Smart. 50. Petite pizza avant le show de jazz. De jazz plutôt original et terminé. Direction. Oh, Louis, c'est quoi le resto? C'est 230. Maybe light. That's better, thank you. Et voilà le restaurant pour ce soir. Let's rolling. Rooftop bar, on pensait que c'était seulement un restaurant, mais finalement c'est, on dirait, la terrasse la plus cool de toute la ville. Comment tu trouves ça, Ali? C'est incroyable, on est au top floor de New York. On voit l'Empire State Building qui est juste là, c'est juste insane. Je suis tellement content que ça finisse comme ça, c'est notre dernière soirée en plus, donc. L'aventurier de l'Amérique du Nord, regardez là. Small in the USA. Comment ça va, Théo? Très bien, c'est totalement naturel. La main totalement à l'aise. Il y a 10 minutes, je lui laisse acheter des fruits et légumes puis bien manger. Jumbo Footland. Le pied de la lésité. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, Théo? Rien à dire, bon, on défend, laisse une totalement. Je fais 5 tables. Je m'appelle Jean Bataille. Je m'ennuie tant.
que ça me fait peur. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je sais que ça a plu à mes amis. Je voulais leur faire vivre une expérience en or, un week-end tout compris à New York. Mais vous aussi, vous pouvez avoir une expérience en or ici à Montréal en gagnant 2 billets pour la grande finale de La Voix à la télévision. Un hôtel de luxe inclus, le transport aussi, du magasinage avec un styliste. Pour participer, c'est super simple. Vous avez juste à cliquer en dessous sur le lien. Ça vous mènera une page pour vous inscrire au concours et pour avoir des échantillons de Nescafé Gold. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine.